Oui, Thierry, dit toi, les TQ5, t'as si aussi, t'as qu'il t'a marqué, oui, on une guerre, qui a un lit d'arbellir, ma chère, Québécois, c'est le Québec, dit on pour gagner qui est un, 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 qui d'arnaque ni là d'un gaz certain il faut zanne kaki on a c'est Kaverin dans le Québec qui est soutenu c'est le parti québécois qui est le bloc québécois et ça a un choix contre toi c'est le Huyon au Sénfar qui est mon carré assemblement assemblement.com dans le tour en flèche d'où il est d'un aïeux une matière par le neuf le Québec de Laval à une monarque société nationale de Québec à Laval. Alors, dans la fosse, nous avons un assemblement, ici. Je crois que nous avons un assemblement, nous avons un ministère d'immigration, francisation et d'intégration dans le Québec. Nous avons un François Legault Arnaud Amzouero dans le Québec. Michel Leduc, nous avons un ذاشو تصنفان أكير ومشكا إقبالي ين أتسكين وصنفان أكير ذا قوهل وصنفان أكير أيلين فوزير وسبوا سيهير سينير إمس لدوك زولف لك بونجور مسيو لدوك دون جو فيان دو فوز انتندوير بريفمون à nos téléspectateurs, téléspectatrices Kabyle de TQ5. Monsieur le Duc, avant de nous parler un peu de cette initiative qui a pour nom assemblement qui est fait, c'est un projet de la Société nationale de Québec à Laval, qui est chapeauté aussi financièrement par un ministère, le ministère d'intégration, le ministère d'immigration, francisation et d'inclusion, le nouveau nom du ministère, oui. Qui s'appelait jadis avant ministère d'immigration, francisation et d'intégration. Donc là, l'inclusion. Ouais. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Donc c'est mieux intégration, puis parler d'inclusion versus intégration. Donc c'est plus significatif. Et ça, c'est une initiative du gouvernement François Legault. Donc avant de parler de tout ça, et quelles sont les grandes lignes, les grands axes ou la mission de l'assemblement justement, ça serait bien de nous présenter votre parcours, Monsieur le Duc. Que la Société nationale du Québec, c'est un rassemblement de bénévoles. Hein? C'est un organisme communautaire. Hein? OK. Nous sommes tous des bénévoles, donc c'est à ce titre que moi, je fais de l'action communautaire au sein de la Société nationale du Québec. D'accord. Alors, mon parcours, il est long, il est sinueux. J'ai fait, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de scoutisme. D'abord, j'ai été commissaire des scouts du Canada pour la section francophone. J'ai enseigné en Afrique comme coopérant canadien au Tchad. Donc, pendant 2 ans, j'ai enseigné le français. Ensuite, je suis revenu au Québec. J'ai enseigné au collège Saint-Laurent, la littérature française. Et puis, je me suis lancé en politique en 1981. J'étais alors membre du Parti québécois. Donc, en 81, j'ai commencé d'abord en 1976 en politique. Et j'ai été défait à Laval. Je suis revenu en 1981. J'ai été élu en 1981. Et avec René Lévesque, qui était aux commandes du Parti québécois. Alors, j'ai eu le plaisir de travailler avec M. Camille Lorrain. J'ai été adjoint parlementaire de M. Camille Lorrain, qui est le père de la loi 101 au Québec. J'ai eu le plaisir aussi de travailler de près avec M. Bernard Landry. Bernard Landry, qui était également député à Laval. Donc, j'ai été également son adjoint aux affaires internationales.
Donc, ensuite, j'ai été défait en 1985. Et là, je me suis tourné, j'ai toujours continué à militer au Parti québécois. Et ensuite, je suis allé, j'ai fait un an également auprès au Bloc québécois avec M. Lucien Bouchard. Et je suis revenu au Québec et j'ai été nommé responsable de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, comme secrétaire général. On sait que l'Office franco-québécois pour la jeunesse, c'est un office qui a un siège social en France et au Québec, hein? C'est un office qui fait connaître la France aux Québécois, aux jeunes Québécois. Et qui fait connaître le Québec aux jeunes Français, entre 15, entre 18 et 30 ans. Donc, j'ai été là pendant 10 ans. Ensuite, je me suis retiré, j'ai pris ma retraite et j'ai commencé à faire du bénévolat à Laval, au sein de la Fête nationale du Québec à Laval, parce qu'il n'y avait pas de Fête nationale du Québec à Laval. On fêtait à Montréal. Et avec la nouvelle administration municipale de M. Marc Demers, qui est toujours maire, nous avons créé un partenariat de façon à fêter notre fête nationale à Laval. Et la fête nationale, la corporation de la fête nationale est devenue la Société nationale du Québec à Laval il y a environ 5 ans. Et est devenu également membre du mouvement national des Québécois. Alors moi, je suis bénévole, je suis au sein du conseil d'administration, je suis bénévole, j'apporte, disons, mon apport, ce que j'appelle mon expérience de vie, mon expérience également en Afrique. Mon expérience aussi à Laval auprès des groupes communautaires. Je suis en action, je suis un élève du communautaire. J'ai toujours cru dans l'action communautaire, quelle qu'elle soit. Et je pense que, une action comme la nôtre est une action citoyenne importante. Parce que c'est pas évident. Avec la montée de l'immigration, il y a danger de discrimination. Discrimination, on le voit, qui existe. À l'intérieur, il y a du profilage racial. On l'a vu aussi face aux Autochtones du Québec. Donc, il y a à travailler sur ce qu'on appelle l'inclusion, inclure tous les citoyens dans la société de façon à atteindre le mieux possible cet idéal. Et le vivre ensemble. Hein? Et là, ben, il faut combattre l'individualisme. Individualisme qui s'installe tout le temps. C'est la tentation, une tentation capitaliste, hein? De rester dans son coin, de ramasser un magot et de bien vivre seul ou avec d'autres qui partagent des idéaux qui ne sont pas nécessairement communautaires. Donc, personnellement, je crois dans l'action communautaire, je crois dans l'action bénévole, je crois dans les gens qui. Je veux réunir les gens qui partagent cet idéal. C'est ça l'objectif. De réunir ces gens qui partagent le même idéal de façon à ce que ça fasse tache d'huile, qu'on ne soit pas seul à être idéaliste. Parce que s'il n'y a pas d'idéaliste, ben, on retombe dans nos vieux travers. Tout à fait, Monsieur le Duc. C'est vraiment à la fois impressionnant et puis je suis stupéfait par la quantité de travail bénévole que vous faites. Et puis c'est connu que les Québécois, les Canadiens de façon générale, y donnent beaucoup d'importance sur le travail bénévole et ça serait peut-être aussi une leçon pour d'autres peuples qui doivent investir pour ce bénévolat pour faire avancer la société et les causes justes. C'est-à-dire qu'on est très solidaire, on aime le travail qui est un bénévolat.
il y a le Voilà, Monsieur le Duc, je viens de résumer un peu l'essentiel de votre intervention. Et puis, j'enchaîne avec la deuxième question. J'ai dit principalement quels sont les projets ou les programmes de cette initiative Assemblement de la Société nationale de Québec à Laval. Donc, vous voulez... L'assemblement, comme je crois que vous l'avez mentionné, est né de la Société nationale du Québec à Laval. Mm-hmm. Notre objectif, c'est l'identité québécoise, la culture québécoise, la langue française, le patrimoine québécois. Donc, dans une société comme la nôtre, dans Laval, Montréal, finalement, nous assistons à une montée de l'immigration. Montée assez importante. À Laval, par exemple, la population immigrante est de l'ordre de 30%, donc, et ça continue d'augmenter d'année en année. Donc, comme société nationale, nous avons une responsabilité et nous avons proposé au gouvernement du Québec, au ministère de l'Immigration, francisation et inclusion, pour être plus précis, un projet. Ce projet, nous l'avons appelé l'assemblement. Pourquoi l'assemblement? Parce que nous voulons assembler autour du Québec, de la langue française, de sa culture, les personnes issues de l'immigration qui sont plus particulièrement à Laval, puisque la Société nationale du Québec, notre Société nationale du Québec est à Laval. Donc, l'assemblement, comment on fonctionne? Donc, c'est sur une base interculturelle. Donc, nous proposons au public de s'inscrire à notre site. Le site est facile à trouver pour tout le monde. C'est assemblement.com. Donc, sur le site, on trouve une volonté d'abord de mieux connaître l'immigration, de mieux connaître les citoyens venus d'ailleurs. Et ils sont nombreux. Il y a à Laval, comme à Montréal d'ailleurs, une centaine de nationalités, sinon plus. Donc, comment faire pour s'y retrouver? Comment faire pour établir des liens que l'on veut être d'amitié? Comment faire autrement si on veut bâtir une société démocratique, une société qui s'assemble. Le mot « vivre ensemble » ici a tout son sens. Donc, nous avons créé cette idée, nous avons soumis cette idée au ministère de l'Immigration, francisation, inclusion. Le ministère nous est revenu et nous a dit « vous allez mettre l'accent sur l'inclusion ». La francisation est importante, et elle fait partie aussi de notre mandat, mais l'inclusion. On peut apprendre le français et rester chez soi. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on apprenne le français pour mieux connaître la culture, pour mieux déboucher sur la culture québécoise. Donc, c'est notre volonté, à partir d'activités qui s'adressent à toutes les populations. À partir de 15, 16, 17 ans, jusqu'à 80 ans passés, nous voulons soumettre des activités. Ça peut être sous forme de toute simple, hein? Par exemple, des échanges de recettes. On réunit 10, 15 personnes et une personne présente une recette d'un pays, de son pays d'origine. Comme par exemple, la semaine dernière, c'était une recette émanant
du Maroc, la tagine au poulet. Et de notre côté, du côté de la société d'accueil, donc une Québécoise pure laine a présenté une recette qui convient l'automne. Hein? Tout simplement un potage aux trois couleurs, puisqu'on sait que l'automne au Québec, c'est la saison des couleurs. Donc, c'est un partage. C'est cette idée de partager quelque chose tout simplement qui est une recette. Et là, s'ensuit une discussion, un échange. Pourquoi? D'où vient la tagine, par exemple? D'où vient le potage? Pourquoi? Parce que les ancêtres l'utilisaient, parce qu'on a transmis la recette, etc. De quelle façon? Quels sont les aliments? D'où viennent ces aliments? Vous voyez que à partir d'une simple recette, on peut déboucher sur toute une histoire. L'histoire d'un individu qui vient d'un autre pays et l'histoire de quelqu'un qui est né ici et dont les ancêtres sont d'ici depuis longtemps. Donc, c'est ça, l'assemblement. C'est d'assembler le plus de monde possible, à la fois de la société d'accueil et à la fois des citoyens venus d'ailleurs, et avec tout leur bagage culturel, linguistique, mais nous voulons que ça se passe en français. Merci, Monsieur le Duc. Donc, voilà, si je comprends bien, donc, l'Assemblée est une initiative ou un projet de la Société nationale de Québec qui a pour but d'organiser et soutenir des rencontres et activités interculturelles qui visent à l'intégration ou faciliter l'intégration des nouveaux arrivants au Québec et surtout les sensibiliser sur la société d'accueil, sur ses réalités vécues et les réalités aussi vécues par les personnes issues de l'immigration. Et ainsi, le but final, c'est pour combattre les préjugés et les effets discriminatoires qui en découlent. Et oui, c'est des toilettes qui étaient des nurses françaises. Dessen far, assemblement qui est, qui dit ce mess le duc Michel. Dessen far, dit Aileen, c'est d'où la naya, un youth and mutien qui est en out, mon caran, Société nationale de Québec à Laval. Ma question est suivante. Donc, cet assemblement, il est sous la chapelle de la Société nationale de Québec à Laval. On aimerait bien, avant de poursuivre à nos prochaines questions, de nous dire c'est quoi exactement la Société nationale de Québec à Laval. La Société nationale du Québec, c'est l'équivalent de la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Donc, dans certaines régions, ça s'appelle Société Saint-Jean-Baptiste, et dans certaines régions, ça s'appelle Société nationale du Québec. Donc, la Société nationale du Québec relève du mouvement national des Québécois, qui couvre l'ensemble du Québec. Il y a une société nationale ou une société Saint-Jean-Baptiste dans chacune des régions du Québec. Notre objectif premier, c'est de, comme je vous dis, de défendre l'identité québécoise. Donc, il y a plusieurs occasions qui nous sont offertes durant l'année, à commencer par la fête nationale du Québec, le 24 juin, qui est la fête nationale de tous les Québécois, proclamée en 1977 par René Lévesque lui-même, lorsqu'il était premier ministre. Ensuite, en mai, il faut souligner les Patriotes, la journée des Patriotes, puisque les Patriotes, ce sont les Patriotes qui ont défendu la patrie en 1837-1838, hein, qui militait, qui travaillait pour une société pleinement démocratique, alors que la société était sous l'autorité du colonisateur anglais, hein, britannique. Donc, les patriotes ont livré bataille démocratiquement avant de se voir obligé de prendre des armes pour défendre la patrie du Québec. Donc, nous soulignons cet événement qui remonte à 1837-1838.
Et l'objectif, je rappelle aussi que l'objectif des patriotes, c'était de créer une société pleinement démocratique, hein, pleinement, une République du Québec. Et on sait que les patriotes ont été défaits par l'armée britannique. Donc, ça s'est terminé dans la violence. Autre fait important, nous, on honore aussi nos étudiants qui ont obtenu une note importante aux examens en histoire. Donc, nos étudiants, nous les honorons, nous leur remettons un certificat à chaque année aux étudiants de toutes les écoles de Laval qui ont obtenu une note intéressante en histoire. Donc, pour souligner justement l'importance de l'histoire dans nos activités. Nous honorons également des citoyens de Laval, citoyens exceptionnels, hein? Donc, des citoyens qui font l'honneur de Laval. Donc, ces citoyens, il y en a qui sont originaires de Laval, il y en a qui sont originaires d'ailleurs, mais nous voulons absolument mettre en évidence la part citoyenne à l'intérieur de la communauté, pour le rayonnement de la communauté. Toujours dans cette idée de promouvoir cette idée qu'une société, c'est un rassemblement d'individus, mais qui forme une collectivité. L'individu isolé ne peut être que malheureux dans un sens. On peut toujours s'arranger en étant isolé, mais la vraie dynamique humaine, c'est d'être solidaire. Hein? On s'aperçoit à quel point on vit dans la pandémie actuellement. On vit à quel point les gens ont hâte de retrouver leur vis-à-vis, de pouvoir vivre ensemble des activités, de pouvoir s'activer ensemble à l'intérieur d'un sport, d'une activité culturelle, etc. On est confiné à l'isolement et heureusement qu'on a des moyens techniques aujourd'hui de pouvoir communiquer, c'est le minimum qui nous est garanti. Mais on a hâte de se voir, de se revoir, de vivre ensemble. Ben, l'assemblement, c'est ça. Mais vivre ensemble, c'est vivre ensemble entre nous, c'est-à-dire le nous étant un nous collectif, le nous étant formé des gens de la société d'accueil et les gens venus d'ailleurs, de toutes les communautés du monde, qui acceptent de bien vouloir vivre au Québec et de se joindre à nous. Merci, Monsieur le Duc. La prochaine question, vous avez parlé d'une recette marocaine, tagine, qui est un repas effectivement berbère d'Afrique du Nord, un mazir. Mais je sais que j'ai compris que la communauté kabyle, qui est très forte au Québec et plus particulièrement à Laval et à Montréal, elle est aussi présente dans ce programme, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé à un ami commun, Rachid Bandou, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un de la communauté kabyle qui nous présente une recette typiquement de l'Algérie, plus particulièrement de la Kabylie. Ce serait intéressant d'avoir cette recette. Nous pourrions jumeler cette personne à quelqu'un d'ici, de la société d'accueil, de façon à avoir un échange sur une recette. Et notre ami commun, Rachid Bandou, ben oui, il m'envoie des suggestions d'activités. Par exemple, nous allons recevoir l'écrivain Karim Akouche, hein, le Oui. 4 novembre prochain. Donc, Karim va nous parler de l'importance de la langue française, de son rapport également au Québec, en tant que citoyen et en tant qu'écrivain. Donc, ça sera le 5 novembre. Et j'espère que nous aurons un auditoire aussi de chez vous, des gens
issu de la communauté kabyle algérienne, c'est bien ça. Donc, et puis, nous avons d'autres projets également en discussion avec, qui concernent la communauté kabyle. Je sais que j'en ai dit à mon ami Rachid que ce serait important que la connaissance, que nous connaissions davantage cette magnifique communauté qui est au Québec et qui a ses règles, puisque nous connaissons l'allée des Kabylies à Laval. Tout à fait. Donc, tranquillement, on va faire connaître cette communauté comme on invite également d'autres communautés à se montrer et à s'installer, à prendre possession de l'assemblement pour faire valoir l'importance de leur communauté, l'importance de leur culture en lien avec la culture québécoise. Parce que l'important, c'est d'augmenter la force de cette culture québécoise. Et nous comptons beaucoup sur tous les gens venus d'ailleurs, toutes les personnes venues de d'autres pays pour alimenter cette culture, en français, bien sûr. Ben, Monsieur le Duc, je suis très content d'entendre que belle plume kabyle du nom de Karim Makouch, qui a un écrivain kabyle d'expression française qui a donné beaucoup justement, qui a produit beaucoup de romans et de livres, soit faisant partie de ce programme, et en espérant aussi d'autres kabyles vont se manifester pour parler aussi de différentes facettes de la culture kabyle, ce plan à la fois littéraire, cuisine, culturelle de façon générale, scientifique, donc parce que ce n'est pas ça qui va manquer, parce que le Québec, il renferme plusieurs intellectuels connus de la Kabylie qui se trouvent à Québec. Ceci dit, la dernière question, Monsieur le Duc, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'étendue de ce projet-là? Est-ce que c'est un projet, c'est une initiative qui va s'étendre sur plusieurs mois, plusieurs années? Ou comment? Est-ce qu'il a une durée limitée ou pas? Est-ce que le financement il sera toujours piloté par le ministère de l'Immigration ou comment? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de détails? Oui, le projet est sur un an. C'est-à-dire que le financement est sur un an. On espère que le projet va durer plus longtemps, mais le financement du ministère est sur un an. Donc, ça a commencé en avril dernier. En avril de cette année, pardon, et se termine en avril 2021. Très bien. Maintenant, une fois lancé, parce qu'au début, vous savez, il y a du tâtonnement. Hein? On n'arrive pas subitement avec un projet, avec un tel projet, tout fait. Il faut expérimenter. Hein? Surtout, quand on est en temps de pandémie, il faut expérimenter doublement. Parce que, à l'origine, notre idée, c'était d'aller vers les communautés à Laval, d'aller à leur rencontre. Mais à cause de la pandémie, on demande aux communautés de venir vers nous, hein, de s'associer à notre projet en s'inscrivant à l'assemblement, simplement l'assemblement.com. Tout le monde peut s'inscrire et participer aux activités et même proposer des activités. Nous, on souhaite que des citoyens nous proposent des activités. Comme notre ami Rachid Bandou a fait quand il m'a proposé de recevoir Karim Makouch et une autre aussi, Madame Sylvie, Sylvie Bergeron, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre sur deux religieuses qui étaient en Kabylie. Cécilia et Madeleine. Sœur Cécilia, qui est la tante de Sylvie Bergeron. Tout à fait. Et Madame Bergeron a écrit un livre sur cette aventure de cette religieuse en Kabylie et
ce qu'elle a fait aussi pour l'accueil des Algériens ici à Montréal. Tout à fait. Donc, c'est intéressant, une expérience en Algérie, mais également l'expérience d'accueillir des réfugiés d'Algérie ici au Québec. Alors, ça va être fabuleux. Donc, on espère bien présenter cette rencontre avec Sylvie Bergeron bientôt ici en cours d'année. Très bien, Sylvie Bergeron, c'est une personne qu'on connaît très, très bien. On a déjà interviewé, et puis elle sera aussi une autre fois l'invitée de TQSEC pour parler de sa tante Cécilia Bergeron qui a fait beaucoup pour, à la fois pour en Kabylie quand elle était missionnaire en Kabylie durant la guerre d'Algérie contre la France, et puis éventuellement ici aussi, comme vous dites, Monsieur le Duc, elle a fait beaucoup pour l'accueil des immigrants algériens, plus particulièrement Kabyles au Québec. Ceci dit, Monsieur le Duc, on est venu à la fin de cette émission. On aimait bien que vous dites le dernier mot, votre dernier mot avant de clôturer notre interview. Ben écoutez, c'est pour vous remercier. Vous remercier, remercier la communauté Kabyle. On sent chez vous, comme groupe, cette volonté d'intégrer la société québécoise. Vous fonctionnez, je pense que vous avez conservé la langue, vous avez conservé une culture, mais en même temps, il y a une volonté chez vous d'apprivoiser la culture québécoise. Tout à fait. Et ça, on l'apprécie, on vous remercie, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en apprendre davantage sur cette belle communauté. Effectivement, vous allez apprendre davantage, et puis nous aussi, on va continuer à être une bonne immigration qui a beaucoup fait pour le Québec et va continuer à contribuer au développement de Québec, comme elle a toujours été la diaspora kabyle. Partout où elle est toujours été un exemple d'intégration, que ce soit en France, que ce soit au Québec, au Canada, que ce soit aux États-Unis, partout où ils sont. Donc, c'est une immigration qui a toujours été bien intégrée dans la société d'accueil. Ceci dit, we think that it's one in Tukusa, qui est qui nous a fait gagner, on était des Winnie Fakir, avec le masque Michel Leduc, qui est le Haïn Kakir, Hassan Faraki, Moussma, Assemblement, Winnie Tabahan, Thamtir, Tharnaus, le Québec, de Laval, la Société nationale de Québec à Laval. Dwili di hgana kakir yun mpohil thorzi ou sgwas et wakni yak rafa na yak li communauté et di hgana kakir del Québec et sknen de chou isan de thi min san de gizli san de tout lait san de chou zmanak di dawin el Québec pou kin darni ad lemzen de chou zmanan adawin si thmouth en el Québec. Mas Michel Leduc yu dredda kakir marachin bando di wna tasi kikadishna kakir بسنغني نعم بسنغمو أن تثلاث نور دون بدل تكثيوين جاري قبالين كذا كيباك أتاسي خدم لدغا أصنفار نين دولا ما أتاسا يعني يدريث تبقى كان مس لدوك أزنيق أن تموث القبائل دي لافال لاريد لكابيلي بود أتاسا مسلي فلاس وما زال كيكي عاشد بندو يقدوين يقدشن أتاس يخدم من القداش إيقرسل النووي يذسا دي وينيث فكرة الدنيا كلها تسمى ذشو أيلين ذقوه لكن أن أسامبلمون ستما أن تموت ني قبائليا نسيا غردين أو دي نقيمة دي ثلويث